Et là, je suis avec Virginia qui a une pancarte UE et MEDEF égale esclavagiste. Ouais. Les racines du projet de la loi El Khomri, c'est les recommandations de l'Union européenne qui impose au gouvernement français de nous pondre ce genre d'idées fumeuses que c'est que la loi El Khomri. Et donc, ils veulent. Ça vient de là. Oui, faut le rappeler. Et derrière, il y a le TAFTA qui se profile. Ah oui. Parce que c'est la Commission européenne les qui impose ça. Accords transatlantiques. Voilà. Qui impose à la fois le projet à la France, mais en plus, qui négocie le TAFTA, évidemment, pour les peuples. Parce qu'on sait très bien que tout ça, ça sert uniquement le capital, les multinationales, pas à nous. Vous êtes en France à arriver oui. Vers la gare. C'est bien de rappeler... Que demain, la bataille continue. Bien de rappeler qu'en fait ça vient d'une oligarchie au niveau de l'Europe et au niveau de la haute finance des États-Unis aussi. Oui, nos propositions pour améliorer en même temps, le travail au quotidien, pas se leurrer, c'est le salariat en tous ses aspects. Donc la bataille continue, le salariat français, allemand, en Europe et le salariat américain qui vont se prendre la figure. Et bien sûr, les autres, les bourgeoisies capitalistes. Eh bien, merci. Merci. Voilà, bel enthousiasme. C'est bien. On lâche merci. Rien. On lâche rien. Merci beaucoup.